Pirater ces machines, je vais devoir chercher dans les creusets. Ça pourra me servir. J'ai plus de place.
De l'aide ! Doucement. Qui es-tu ? Qu'est-ce qui t'arrive ? À courte. De l'aide pour Belvédère. Les étincelles attaquent. Mon frère va mourir. Tout le monde ! Pas si je me débrouille pour l'en empêcher. Je suis repéré. Thank you.
traqueurs, des veilleurs. Comment ça se fait qu'il y en ait jusqu'ici? Machine de mort qui disparaît comme par magie. On n'avait pas besoin de ça. C'est n'importe quoi, ça. Oops, des traqueurs, des veilleurs. Comment ça se fait qu'il y en ait jusqu'ici?
Je dois enchaîner. Du calme, du calme.
n'avait pas besoin de ça. À couvert. Et voilà.
ça peine. Voilà qu'il me chasse. Fondre.
pas de place. Ça se gardera. Toujours utile, mais très amer. Les machines défendent quelque chose. J'aimerais bien savoir quoi. La neige est glacée par ici. J'aurais dû prendre un chariot.
pas aimé ça. Thank you.
Ouch. Ah. Ça y est, je vais pouvoir filer. Non, non, non. Thank you.
trop loin. Oh boy. Reste tranquille. Oh,
shit. À penser que je me suis... aventurée où je ne devais pas. Une vraie manie. Sauf que cette fois, je vais devoir affronter bien pire que les matriarches. Les environs.
Je commence à penser que je me suis aventurée où je ne devais pas. Une vraie manie. Sauf que cette fois, je vais devoir affronter bien pire que les matriarches.
Oh boy. J'en aurais besoin. Je dois être hors de danger. Thank you.
Ça m'aidera. Thank you.
machine pareille serait montée jusqu'ici. Pour empêcher les curieux comme moi de découvrir quelque chose, j'imagine. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Allô? 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 Ça va? Ça a-tu bien été? Devient blanc.
Je fais des réserves. Je dois me préparer. Un projecteur. Je me demande ce qu'il va me montrer. Pèlerinage apocalypse merdique, jour 10. C'est ici que j'ai su comment le monde allait finir. Ma deuxième apocalypse de l'année. On dirait qu'ils sont en train de construire à tout va maintenant. Mais pourquoi donc ? Thank you.
Je saurai quoi en faire. La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires.
Je pense.
Maintenant, j'ai assez de batterie pour pouvoir accéder à la vieille armure. Pèlerinage Apocalypse Merdique, jour 10. C'est ici que j'ai su comment le monde allait finir. Ma deuxième apocalypse de l'année. On dirait qu'ils sont en train de construire à tout va maintenant. Mais pourquoi donc ?
C'est drôle qu'il y ait des bouts que j'ai jamais été. Comme ça. C'est j'ai été ici. Ces verrous semblent bloquer l'armure. Il faut simplement que je trouve le mécanisme qui les alimente. Et voilà, c'était la dernière. Ouais. Ça marche. Maintenant, il faut que je place correctement les cadrans. Ça doit former un code. Ces chiffres, ils doivent être liés au segment d'un cercle. So guys, that's the shield. Et voilà. Bon, voyons un peu cette armure. Bon, voyons ce que je peux faire avec ça. Thank you.
tranquille.
On sait jamais, ça peut servir. Tu ne peux pas t'effondrer. La tribu a besoin de toi. Quoi qu'il arrive, je sais qu'au pire, je rejoindrai ma mère dans ses tombeaux. Aidez-moi à rester courageux. Je m'incline devant toi, humble et fidèle. Tu es Aloy, n'est-ce pas? Tout le monde parle de ta victoire au deuil du démon. Je suis honoré de me trouver face à toi. Je ne suis pas si exceptionnel. Pour qui priais-tu? Pour ma sœur Nakoa. Elle est partie au nord pour trouver un officier Karja du nom de Zaïd, un des capitaines des Red Rouges. Je suis inquiet pour elle. Les matriarches ont vraiment autorisé Nakoa à partir? Non. Elles ont refusé. Mais rien n'aurait pu l'empêcher de partir traquer Zaïd. Il a tué notre père pendant les raids rouges.
Nakoa a tout vu. Cachée dans la cave, elle s'est forcée à regarder. Ça l'a transformée. Je vivais dans l'étreinte pendant les raids rouges. C'était comment ici? Pendant 10 ans, les Karja ont lancé des attaques surprises. Des barbares comme Zaïd massacraient les braves et enlevaient nos citoyens pour les sacrifier. L'horreur a cessé à la mort du roi Soleil Dément. Les matriarches disent que son fils veut racheter ses méfaits. Mais Nakoa voulait se venger. Tu aurais pu l'accompagner? Quitter les terres sacrées et être exclu de la mémoire éternelle de la Toute-Mère? Non. J'ai supplié Nakoa de rester pour lui épargner ce sort. Elle a dit qu'elle s'en fichait. Je me demande, sera-t-elle vraiment maudite pour avoir vengé notre père? Ça semble cruel. Je vais essayer de la retrouver. La Toute-Mère te bénisse. Je sais que les matriarches ne la laisseront pas revenir dans les terres sacrées. Mais je veux au moins savoir qu'elle est en vie. Elle a dû passer par la couronne de la mer. Ma tante Soleil y habite. Elles se sont peut-être vues. Tu devrais aller lui parler. Oh, Toute-Mère, entends ma prière. Ce brave, il a l'air de souffrir. Oui. Il va bientôt s'endormir pour l'éternité. J'ai déjà vu des gens mourir, mais dans de telles souffrances. Je voudrais être forte comme toi, mais je n'arrive pas à le soulager. Je n'ai même pas de Soul Reaver pour atténuer la douleur. Il doit y en avoir dans les cachettes sur les sentiers des braves de l'Est, mais je dois rester auprès de lui. Tu voudrais bien aller fouiller ses cachettes? Même un peu de Soul Reaver lui ferait du bien. Tu as dit que tu voulais être forte comme moi. J'imagine que tu sais qui je suis. Oui. Beaucoup de gens ne voulaient pas que tu viennes à l'éclosion. Mais sans toi, tout le monde serait mort. Ça prouve notre ignorance. La tribu a été sauvée par celle qu'elle avait toujours rejetée. J'aimerais pouvoir t'emprunter un peu de courage. Pour lui. Pourquoi emprunter ce que tu as déjà en toi? C'est gentil. Comment l'homme que tu veilles a-t-il été blessé? Il était dans le groupe de guerriers. Il a été blessé au combat sur la crête. Il était trop faible pour être amené au cœur de la mer. Ils l'ont amené ici. Je suis censée le réconforter, mais je ne fais que chuchoter. Je lui dis de penser au sourire de sa mère. Est-ce que tu as vu l'embuscade d'ici? Je l'ai entendu. Des explosions, des cris et les grondements des machines, tels des monstres. C'est ça qui le hante dans sa douleur. Des machines de cauchemar qui déchiquetaient tout le monde. Je voudrais l'apaiser, l'aider à oublier tout ça et à rejoindre la Toute-Mère en paix. Redis-moi ce qu'il te faut. Du Soul Reaver. Une huile faite à partir d'écorce d'onde Soul. Elle fait dormir et soulage la douleur. Il ne m'en reste plus. Mais les chasseurs en ont caché sur les sentiers des braves, à l'abri des bêtes et des machines. Il doit en rester dans les cachettes sur les sentiers de l'Est. Tu es jeune pour une soigneuse, non? Oui. Je suis encore novice. Tous les soigneurs chevronnés sont au cœur de la mer. Et puis, cet homme n'a plus besoin de soins. Simplement de quelqu'un à ses côtés. Et ça, je peux le faire. Je fouillerai les cachettes de Soul Reaver si je les trouve. C'est vrai? Merci. Mon seul souhait est d'apaiser les souffrances de cet homme.